ma tondeuse à gazon Black & Decker GRC 4700 que j'ai acheté en 2010 se retrouve avec une batterie complètement à plat qui tient plus la charge. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer les accus de cette batterie. Donc voilà cette tondeuse qui a maintenant plus de 10 ans et qui n'est plus commercialisée depuis longtemps. Impossible de retrouver une batterie. D'ailleurs, à l'époque, cette batterie valait plus de 200 euros. Que faut-il faire? Acheter une nouvelle tondeuse après 10 ans? Eh bien non, on va démonter cette batterie et on va voir ce qu'on peut faire. Là, il faut s'équiper d'un tournevis plat. On se retrouve avec 5 vis à enlever. Faut pas avoir peur de forcer parce que ça n'a jamais été démonté, donc du coup il faut entendre le petit clip. Donc évidemment, cette vidéo, ce passage est accéléré, sinon la vidéo ferait une heure. Les vis sont toutes de la même taille, il n'y en a pas une plus grande que l'autre. Il faut faire attention pour la retourner. Là, il faut bien faire attention au branchement des différentes cosses. Donc, il faut mettre sur pause l'image et puis travailler même en ayant cette image à côté pour être sûr de ne pas se tromper. On va enlever le protège en plastique blanc qui permettra ensuite de retirer les trois accus, puisque effectivement il y a trois accus dans cette batterie. On retrouve une autre protection en plastique pour le fond de la batterie afin de bien les caler. Et ces trois accus sont scotchés les uns aux autres à l'aide d'un scotch double face. Et ça tient bien. Donc c'est un scotch double face extra fort qui a été utilisé parce qu'on ne peut pas les désolidariser comme ça. Et ces trois accus, ben, on donne la référence. De toute façon, on ne peut plus les retrouver. Hein. Ça n'existe plus. Donc il va falloir retrouver des accus compatibles.
J'ai choisi sur pilebatterie.com les batteries Luca, qui sont de la même dimension. Voilà le fameux scotch 3M qu'il faudra utiliser pour les fixer les unes aux autres. Il est extra fort. Il faut au moins ça pour éviter que ça bouge. Donc il va falloir nettoyer la surface pour que le scotch puisse parfaitement adhérer à la surface de la batterie. Là, on se lance dans l'atelier collage du double face en diagonale de l'arrière vers l'avant. C'est d'ailleurs comme ça que les originales ont été collées les unes aux autres. Donc je reproduis le même système de collage. Hésitez à bien appuyer pour que ça se colle parfaitement bien. J'ai coupé un passage de la vidéo où je les mets carrément au sol sur du carrelage et j'appuie très fort pour que ces trois batteries soient très bien fixées. Ne pas hésiter à faire la même chose. Une fois qu'elles sont bien collées, on va enlever les différentes protections d'écosse. Et on va brancher les batteries en série. Je fais du repérage hein, pour bien montrer, voilà, c'est dans ce sens là qu'il faudra les rebrancher en respectant bien les cosses de couleur qui vont au bon endroit. Je prends mes trois accus et je les fixe dans le plastique de protection et qui permet surtout de les stabiliser à l'intérieur de la batterie. Et là, je remets la protection plastique. Et là, on a deux solutions. On peut les brancher à l'extérieur, les câbles. D'ailleurs, dans la vidéo, c'est ce que j'ai fait pour que ce soit plus parlant pour vous, mais on peut aussi les faire passer sous le plastique et mettre le plastique qu'après avoir fixé et raccordé les deux câbles restants. À l'origine d'ailleurs, c'est comme ça que c'était monté, c'est-à-dire avec les deux câbles en dessous, enfin les quatre câbles même en dessous du plastique. Voilà, une fois que c'est reclipsé, on tient bien les deux parties de la batterie.
et on va maintenant revisser nos 5 vis. Comme on peut le voir, c'est parfaitement revissé. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'espace entre la partie haute et la partie basse de la batterie. Tout est bien fixé. Et voilà, on est reparti pour 10 ans. Merci pour vos commentaires et surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Je vous dis à bientôt.